Je m'appelle Rita Strohl. Je suis née Marguerite Lavillette en 1865 à Lorient dans une famille d'artistes. Mon papa est violoncelliste amateur. Ma maman Élodie Lavillette et ma tante Caroline Espinet sont des peintres de grand talent. Je rentre à 13 ans au Conservatoire de Paris dans les classes de piano et de solfège. Trouvant les méthodes de mon professeur non adaptées, j'ai écrit moi-même une méthode de solfège. Je joue également mes propres compositions lors de mes examens de piano. Pour la composition, j'étudie avec Adrien Barthes. Avant son décès, mon mari Émile Strohl m'a beaucoup soutenue. C'est lui qui m'a confié les chansons de Bilitis. Le catalogue de mes œuvres est très varié. Musique de chambre, vocale, symphonique, grandes fresques lyriques pour lesquelles j'ai cherché à retranscrire mes aspirations mystiques. Ainsi, on retrouve trois cycles, chrétiens, hindous et celtiques. Je suis soutenue par de grands compositeurs tels Saint-Saëns ou Chausson. Mais la vie mondaine parisienne ne m'intéresse pas et je rêve d'un théâtre, inspiré de celui de Bayreuth, un sanctuaire de paix et d'art, notre grange, un asile sûr, loin de la foule. J'ai composé Cloche de Noël en 1895 sur un poème de Jean Fressex.